Ok. Oh là là. Oh, il est full sub. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Oh merde. Oh là 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 là. Ouais, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de faire ça tout le temps maintenant. Non, tu peux faire plein de trucs, c'est trop trop bien. Ouais. Je vais écrire, j'ai trop envie d'écrire juste grosse pute à quelqu'un qui arrive, genre de partir de t'écrire grosse avec pute. Avec... Ouais, genre trop envie de faire ça à quelqu'un. Mais j'avoue, pourquoi t'as la morvonnée là? Hein? Pourquoi t'as la mor... Pourquoi t'... Attends, t'as la mor... il a la morvonnée, il est en peignoir, oui. Et il est en claquette chaussettes. Mais j'ai pris froid. Je suis sorti du bain dès que t'es arrivé, j'ai pris froid. Il m'énerve. Aïe aïe aïe. Oh aïe aïe. Oh, ça a l'air stylé ici. Là et là, donc là c'est le lac. J'ai fait un lac. Et là il y a la maison de mon petit crush. Waouh, ouais, oui, tu l'as mis trop bien le frérot. Ouais. Ouais. De ton petit crush, écrit Rosie. Ah mais comment ça, ton petit crush? Hein? Attends, c'est le personnage auquel je pense ou pas? Non, c'est pas Violette. T'es ah, je confonds avec Violette. Ok, non, c'est ton petit crush. Ah oui, je vois qui c'est. Oui, je me souviens que tu disais comme chez elle. Enfin, tu disais comme si j'étais chez toi. Ouais, donc, j'avoue, là j'ai juste mis la maison, mais faut que je décore un peu. Mec, elle a un kimono carrément, elle est trop stylée. C'est moi qui l'ai offert. Ah putain, ok, je vois qu'il y a des bails, c'est vraiment ta crush quoi. Bah oui, attends. Par contre, tu fais quoi frérot là? Elle a l'air de bien s'amuser là. Je lui tape la causette. Là, elle vient de me dire Kikou Théo, elle connaît déjà mon prénom, elle a retenu. Quoi? Elle me demande si elle peut m'aider. Je lui dis bah viens, on papote. Bah, t'es en train de faire quoi frérot? Ouais, elle est grave sympa sa petite maison là, franchement. J'aime bien, c'est sympa. Fais pas trop comme chez toi quoi, enfin. Non, mais tranquille, elle m'a proposé de m'installer sur le canapé donc. Ah, par contre, ce que je vois, c'est que c'est trop chiant, elle a qu'un lit simple. Ouais, mais t'inquiète. Attends, deux secondes, j'allume la télé. On adore le tennis. On a parlé un peu, elle m'a dit que c'est notre sport préféré en commun à tous les deux. Elle m'a dit que son sport préféré c'était l'équitation, on regarde ensemble. Ah non, je pense pas. Je pense qu'elle t'a menti, elle voulait pas te faire de la peine, mais. Attends, Rosie. Faut croire que tu te sens bien chez moi, allez. Attends, tu peux me laisser du. Voilà, merci. Oh. Oh. Coucou Théo, elle m'a dit. Comment ça va? Tu racontes quoi? Arrête ça. Bizarrement, elle me parle de sa baignoire, gros, c'est bizarre. Quoi? Imagine que pendant mes cours de danse, je cours partout et je transpire comme une fontaine. Tu vois, elle est en train de me dire, imagine je me mets à poil dans la douche quoi. Et ensuite vient un bon bain qui me fait le plus grand bien, soin. T'es au courant pour Pachi? Il paraît qu'il est méga malade. Tu vois, genre là, elle est en train de te dire, va lui donner des médicaments, comme ça je reste solo avec Mastu quoi. Vas-y, bah en vrai gros, ça tombe bien parce que t'es du côté. Ça lui ferait sûrement plaisir si tu passais le voir, histoire de prendre de ses nouvelles. Ouais, elle est clairement en train de me dire actuelle. De partir là. Oui, en fait, comme tu peux le voir là, on est chez nous. Si tu pouvais, c'est super cool que ça passait gros. Si tu pouvais, tiens, attends, tu veux le remède? Pourquoi elle vient d'aller voir ta chaîne? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah tu le connais bien, vas-y quoi. Ok, bah tu fais pas de conneries, hein. Non, t'inquiète. Parle-moi d'un truc. Ce que je préfère, c'est être entouré des gens qui comptent vraiment pour moi. Quoi? Non. Je te jure, c'est ce qu'elle dit. Bah vas-y, je viens avec toi. De toute façon, y a qu'un lit simple pour le moment, mais si tu vois un lit double apparaître dans sa maison, pose-toi les bonnes questions plutôt. Watch out. Wow, mec, t'as une seule. Mais attends, mais vous avez vu ce qui vient de se passer là? Gros, t'as mis un air chaos, t'as mis. Attends, il vient de mettre. T'as mis un air chaos, gros? On pourra se pas. Wouah! What the fuck? Je m'attendais à un truc nul et en fait, c'est trop. Mais mec, c'est trop bien! Non, mais par contre, attends, comment c'est possible? Comment t'as eu tout ça? Bah, en vrai, je sais pas, genre. Wouah! Ouais, bah, mec, c'est incroyable! Wouah, tellement bien! Ah, t'as vraiment une tenue de catcheur, elle me fout le seum. Ouais, donc ta maison, elle est complète quoi, pouah! Ouais, juste le salon qui fait vide, faut que je change. Mais je peux te montrer l'habitante juste si tu veux. Attends, faut vraiment juste que je fasse un truc. Ouais, mais t'inquiète, attends, en vrai, elle est pas mal, elle va te plaire, je pense. Ah, en gros, attends deux secondes parce que j'avais dit à ma go, je. Ta go? Ouais. Ta go qui est sur l'île? Ouais, mais pas la peine de me suivre comme ça, c'est bon. Bah, t'inquiète, attends, je vais voir. Non, moi, je vais voir, c'est bon, je vais voir ma pote Rosie vite fait. Ok, putain. Merde, chier sa mère là. Non mais gros, sois pas aussi rapide. Mais laisse-moi tranquille. Mais pourquoi ça te fait chier? Genre, je vais en bas de moi tranquille. Parce qu'on s'était donné rendez-vous. Bah. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est trop bizarre, elle a pas l'air d'être là pour ton rendez-vous. Tu fais quoi? Regarde sur mon chat, gros, deux secondes ce qu'elle me dit. T'as vu ou pas? En gros, comme ça, la classe bébé? Ouais. Attends, mais en fait, c'est elle ta meuf? Bah ouais, c'est elle. Mais frérot, c'est mon crush en fait. Ah merde. Bah, mec, ça me fait une semaine, là je lui offre des tenues et tout. Ouais, je sais, elle m'a dit ton pote actuel il est trop cool, il m'offre plein de vêtements, c'est trop sympa de sa part. Faudrait qu'on l'invite à la maison, elle m'a dit un jour. Mais what the fuck, des mecs? Elle t'a dit quoi elle? C'est fou, on peut pas faire deux pas sans tomber sur toi. J'ai entendu, tu es lourd. J'ai pas le temps, il a. Quoi? Elle a dit quoi? Je lui dis quoi de nouveau? Elle m'a dit j'ai pas le temps, il y a quelqu'un en visite et je lui ai pas encore dit bonjour. Oh là là, waouh, c'est violent. Il y a quelqu'un en visite et je lui ai pas encore dit bonjour. J'ai pas le temps. En plus, elle te ment parce que depuis tout à l'heure on parle quoi. Quoi? Ça serait peut-être the rencontre qui me manquait pour percer dans le milieu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Après tout le chemin parcouru pour venir jusqu'ici, il faut rendre cette visite inoubliable. Ben écoute, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose chez elle, quoi, genre... Elle est sérieuse aussi. J'ai comme l'impression qu'elle veut me faire passer un moment inoubliable, quoi, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est pas grave, j'ai mis en vrai, je m'en fiche. T'as mieux, t'as qui? Montre-moi, je veux voir qui tu as dehors, en secours. Mais je sais, elle m'appelle mon chéri, Lupa. Attends, je vais aller voir, hein. Parce que moi, Lupa, j'aime bien comme nom, c'est mignon, je trouve. Ouais, mais c'est pour ça que je t'en mets vers Rosie, je m'en fous, ouais. Ok. C'est pas grave. Ouais, c'est mignon, je trouve, comme Lupa comme prénom, c'est bien mignon. Fais voir un peu. Waouh, mec, c'est un loup, putain, mais vous avez tellement de chance. Par contre, mec, sa maison, elle est trop belle, les rideaux rouges, c'est trop beau. Ah, puis elle a un lit doublé pour le coup, tu vois. Oh, bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Laisse-moi deviner, tu es là en touriste, toi, le bien. Arrête. Je m'appelle Lupa. Et tu es Théo, enchanté. J'espère que tu reviendras me faire un petit coucou lors de ton prochain passage à Actuil. Ah, elle veut que je revienne. À peine. Putain, on se rencontre à peine, elle veut déjà que je revienne, quoi. Frérot, juste. Ouais, quoi. Tu peux sortir après, s'il te plaît. Tu me déranges pas, en fait. Attends, bah non, bah, elle me parle, elle vient de me donner un petit item. Elle m'a dit repasse quand tu veux et tout. Genre, elle veut que je reste, quoi. Bon, bah, j'ai l'impression qu'elle reste de marbre face à notre charme. Par contre, Rosie, j'ai quand même le sentiment que je l'avais dans la poche, quoi. Oh, Rosie, si elle me parle de toi la prochaine fois que je la vois, j'ai vrillé. Mec, j'ai une proposition à te faire. Dis-moi ce que t'en penses honnêtement. Tu connais Emilien? Si le village est stylé, on le prend, ok? Oh. Hey Emilien, c'est quoi, tu vas rester dans ton toile de tente? Quoi, trop chou, vous êtes sérieux? Il est pas chou du tout, frère. Quoi? Attends, bah, viens ici. On regarde pas le nom, on rentre juste là. On va voir un frérot. On va voir. Hey, dis donc. Hey, frérot. Hey, mon frérot. Ah, mais je vois que t'as déjà le meilleur habitant de l'île. Oh, dis donc. Du coup, je repars à Dodo Airlines, je vais repartir. Avant, je vais juste faire un truc. Attends. Hop. Tu fais quoi, toi? Non, je mets une petite tenue décontracte, quoi. C'est quoi son style, un peu, à ta pote, là? Comment ça, son style, à ma pote? Non, enfin, pour curiosité, hein. Béa, ah, elle tiens, est toute simple. Tes villageois, ils écrivent souvent des messages sur ton panneau d'affichage à la mairie ou pas? Oh non, jamais, pourquoi? Parce que ça m'arrive de temps en temps, moi. Okay. J'ai mis une petite tenue décontracte pour... Ok. Ah, pour pécho les BA? Non, pour mettre... Enfin, pour, ah oui, pour te mettre à l'aise, quoi, ok. Ah ouais, putain, c'est très solennel quand même comme tenue, je trouve. Hein? Non, je trouve que c'est hyper solennel. C'est décontracté. Ok. Vas-y, bah, je vais passer vite fait voir. Enfin, passer le bonjour à Béa. C'est un petit coucou. Vas-y, je vais t'ouvrir mon île du coup. Je vais t'ouvrir mon île. Je vais juste avant. attends, je vais juste deux secondes retourner. Je vais ouvrir les portes de mon île, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a écrit je t'aime Rosie, signé Théo? Sur quoi? Bah, sur le panneau d'affichage, en fait. Ah ouais? Bah, ouais. Il y a je t'aime Rosie. Bah, trop bizarre, franchement. C'est où, Utopia, le 14 avril? Bah, c'est aujourd'hui? Ah, ça doit être un bug, je pense, en vrai. En vrai, attends, je vais dire ce que je pense. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que t'es littéralement en train de me pichou mon crush, en fait. Bah. Qu'est-ce qui te fait penser ça, genre? Je sais pas, vous parlez beaucoup quand même, vous avez beaucoup parlé, il y a eu des cœurs. Ouais, moi, elle était plus froide avec moi, elle m'a envoyé ailleurs et tout. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un bon feeling, tu vois. Il y avait un excellent feeling même entre nous deux. Et effectivement, il y a eu 2-3 échanges amoureux, mais genre. 2-3 quoi? 2-3 échanges langoureux, j'ai dit. Ouais, non, mais je rigole, c'est une vanne. Mais je doute que t'arrives à pécho B1. Pourquoi t'as dit que je pourrais pas pécho B1? Enfin, je compte pas la pécho. Je t'ai fait confiance, enfin, t'as été réglo, je vois pas. Ouais, voilà, imagine l'embrouille avec Bébert. Si tu commençais à pécho B1 sous les yeux de Bébert, alors qu'il est. En plus, Bébert, t'as déjà vu Bébert ou pas? Bébert? Non, jamais. Bah, mec, je vais te montrer Bébert avant de te montrer B1. Que tu comprennes comment on pourrait faire du mal à un être aussi gentil, quoi. Ok, je vais te montrer Bébert. Ah, il est là, Bébert, regarde. On a pas envie de lui faire de mal, il a l'air tellement mal dans sa peau déjà. Il est tout timide. T'as vu comme il est tout gentil? Encore jamais vu ici. Est-ce que tu viens d'emménager? Tu n'es pas d'ici? Oh, tu es Tommy, tu viens de rendre visite. Je m'appelle Bébert. Tu vois, Utopia, c'est vraiment une super île. Amuse-toi bien. T'as vu, il est super gentil. Et donc, du coup, apparemment, un peu en cachette, ça go, ça serait Béa. Ah ouais? Ouais, ouais. Et Béa, je vais te montrer où aller. Alors, elle est souvent. Attends, dis-moi. T'es où là? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu faisais là? De quoi? Bah, je sais pas, j'ai rien pensé. Elle avait tout bien. Ouais, vas-y, je vais te montrer. Mais tu faisais quoi? T'avais le filet en main, t'attrapais un insecte ou quoi? Ouais, j'ai cru avoir un truc. J'ai cru que t'avais des Ah, ok, non. Mais ouais, Béa, c'est un peu la crush de tout le monde dans le village. Elle a un nice feeling, quoi, genre avec. On va voir ça. Voilà, donc Béa, bah, je te présente Actuan. Actuan, voilà, je te laisse te présenter toi-même. On s'est jamais rencontré, il me semble. Je m'appelle Béa. Tu t'appelles Tommy? C'est un surnom que j'aime beaucoup. Oh, dis donc. Ouais, c'est cool, putain, c'est cool, elle a l'air de bien t'aimer. Tu seras bienvenue ici à chacune de tes visites à Utopia, mon chaton. Oh, dis donc, putain, mon chaton et tout. Gros, ça te dit, on fait un échange de villageois du coup? Ah, qui alors du coup? Alors, moi je te propose Lola. Lola, elle est grave cool. Lola, c'est genre, c'est un peu la go hype du. Ah, ouais, c'est un peu la go hype du village. C'est un peu ma Lupa, quoi. C'est ça, c'est un peu la Lupa. Je te présente Lola, la meuf hype du village, quoi. Bah, parle-lui, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air tendu.
Oh, quand tu vas parler d'elle, elle s'est retournée au même moment, j'ai vu ses grosses dents là. Tiens, salut, tu dois être un visiteur d'une autre île, je suis Lola, enchanté. Oh, c'était un guet-apens, hein. C'est la meuf la plus lourde du village. Ah oui, c'est vrai. Mais mec, en vrai, là, je crois que la villageoise la plus belle, c'est Tiffen, mais du coup, je te montrerai un autre jour. Tiffen? Ouais. Elle est vraiment, vraiment belle? Bon, elle est en mode sexy quoi. Vas-y, elle est où? Juste comme toi. C'est tout en haut du village. Pas t'avoir déjà vu dans les environs. Ah, tu l'as trouvé? Il vient de Hatfield, c'est ça? Ouais. Ah, c'est il l'a trouvé. Ah oui, ça tchatch. Alors... Oh, voilà, que j'oublie mes manières. Je m'appelle Tiffen, enchanté. Et tu te nommes? Mais là, c'est sûr, là, le costard, ça va faire effet. Hein. Bah là, enfin, ça a tenu des contracts, mais. Ah, donc, attends, t'es en train de dire que quoi? T'as mis une tenue, un costard juste pour pécho en fait, c'est ça? Non, non, c'est des contracts, mais du coup, ça tombe bien pour elle. Eh bien, Tommy, sache que tu as désormais une nouvelle amie sur cette île. Ah, oh là 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 là. Oh la friendzone. Je tiens à le dire dans le chat, mais Actuan et moi, on est des vrais frères quoi, jamais on se mettrait de couteau dans le dos quoi. C'est pour ça que là, il est trop content que Crozy veuille emménager sur mon île pour qu'on vive ensemble quoi. Mais non, non, vas-y. Non, je t'attends. Il y a un truc comme... Je t'attends, je vais aller lire le message là sur l'île, sur le panneau d'affichage je veux dire. Alors, non, bah y a rien de nouveau hein. Quoi? Je vois rien ouais. Tu viens gros? Je te raccompagne. Ouais, attends une seconde, y a un problème. Mais viens gros putain, vas-y laisse mon panneau d'affichage tranquille. Alors, est-ce que je peux envoyer une petite carte à Rosie? Attends, enfin merde. Toute belle dans son kimono en plus. Ouais, elle m'a dit que c'était avec ça, elle se trouvait trop stylée, que c'était des fringues qu'elle avait achetées elle-même et tout, elle a trop kiffé. Tu me diras ce qu'elle te dit, encore je suis curieux. Je sais pas combien de fois on s'est vu aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression qu'elle en a marre. Raconte-moi un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle dit? T'es où passé, t'as vu? Et tu connais la dernière? Et tu connais la dernière? Chez lui, on l'appelle Animal de compagnie de Nook Inc. Je kiffe trop ce titre. Faut que je m'en trouve un qui envoie au moins autant de paillettes. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est évident. Hein. Mais attends, pourquoi elle me parle direct de toi comme ça? C'est trop bizarre quand même. Ben non, ça me paraît normal, moi. C'est parce qu'on s'aime. En fait, t'as du mal à le comprendre, mais. Attends, j'ai pas l'impression de te le dire. J'ai vraiment l'impression que tu m'as piqué Rosie là. Elle parle que de toi et tout. Mais évidemment, mais je te l'ai pas piqué, c'est juste un coup de foudre. C'est bon, t'as reçu ma lettre, gros, si tu peux aller voir. Théo? Ouais. Message pour Rosie, je t'aime fort. À quel fait. Ouais, quoi? C'est en fait, je pouvais pas lui envoyer de lettre, du coup, si tu pouvais lui transmettre la lettre, gros. C'est un message où je dis que je l'aime. Évite de lire la lettre en ainsi, c'est un peu gênant. Merci Yaki Boys pour ton Twitch Prime, merci beaucoup. Je te fais confiance, gros. J'ai pas ça. Ouais, t'inquiète. Ok, bah nickel. Des bisous et merci d'être passé, c'était très cool.